Alors bonjour, je m'appelle Barbara Constantine, je suis auteure de romans et je suis aussi script dans le cinéma. Et je viens présenter mon coup de cœur dans Livre de poche, Le violon d'Auschwitz, Maria Ángels Anglada, qui est une catalane et qui a écrit un livre qui, moi, m'a beaucoup touchée, évidemment. Enfin, c'est un petit peu banal de le dire. Ça se passe, évidemment, dans des camps de concentration, donc c'est pas du tout gay. Mais il y a une profondeur et une sensibilité extraordinaire. J'ai trouvé que c'était de la pure poésie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le partager. Et je viens pour présenter mon dernier roman, qui s'appelle Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom. Alors il s'agit d'une histoire d'un petit garçon qui vit avec sa mère dans un mobilhome. Donc voilà, c'est des gens qui vivent à la campagne, qui ont des difficultés, mais qui en fait sont très riches d'amour. Et voilà. Je ne sais pas très bien parler de mes livres, c'est très embêtant. Je préférerais que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, mais bon, voilà. Les livres que j'écris sont en tous en commun le fait que c'est des relations entre les générations, donc c'est des personnes âgées, ça se passe à la campagne, et il y a beaucoup d'enfants aussi. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup et j'ai envie d'en parler avec un peu d'humour. Parce que souvent la vieillesse est un petit peu, on en parle tristement ou lourdement, les problèmes de santé uniquement, on les met en avant, mais il y a plein d'autres choses et j'avais envie d'écrire sur ce sujet et avec le sourire.